bien, bonjour à tous les amis, c'est Antrol, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le premier gros vlog qui va apparaître sur ma chaîne après Biscuit, tout simplement. Vous savez très bien que depuis quelques temps maintenant, je vous parle de la batellerie, du bateau, etc. Que depuis la dernière Medinasia, j'étais revenu ici au bateau. Et pour ceux qui ont suivi donc cette fameuse vidéo et qui ont regardé jusqu'à la fin, vous avez reconnu le décor. Et donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter un vlog d'une semaine ou d'un voyage sur le bateau sur lequel je me trouve. Donc je vais essayer d'avoir la caméra un petit peu avec moi pendant que je travaille, faire des plans, essayer de filmer à gauche à droite, vous raconter un petit peu ce que je fais. Et comme ça, bah, tout simplement, vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure du temps ce que je fais tous les jours et pourquoi est-ce que je le fais et pourquoi est-ce que ça me passionne à ce point-là. Yo les gens, il est un bon 5h30 du matin. Et ben donc du coup, comme promis, vous allez me suivre pour déjà une partie de la journée. Donc aujourd'hui on doit aller décharger le bateau de l'autre côté de l'eau. Donc du coup on vient de se lever. Comme ça on va pouvoir déplacer le bateau de l'autre côté pour pouvoir commencer à vider tranquillement à l'endroit convenu. Donc chose très importante avant la suite de ce vlog, c'est que vous étonnez pas que des fois il n'y a pas d'image ou que vous ne compreniez pas toujours, j'essaierai d'expliquer au mieux, mais vu que je suis au travail, des fois je suis pas censé filmer à certains moments, donc c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu. Là j'ai filmé le début de la manœuvre, je vous ai pas filmé le reste parce que j'étais occupé, donc voilà, il faut un petit peu de... faut attendre un petit peu des fois, d'accord. Donc je ferai de mon mieux pour filmer un maximum, mais entre part je suis dans une entreprise, donc j'ai pas toujours le temps de filmer, donc j'espère quand même que ça vous plaira. De l'air, putain. Ça fait un bien de fou d'avoir de l'air dans les cheveux comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'ici, vous n'êtes pas là, mais il fait à l'intérieur environ plus de 30 degrés. Plus ou moins, alors qu'on est à 9h30 du soir. C'est tout à fait normal. Toi, je vais te redéposer là. Voilà. Alors, pourquoi déjà j'ai pas enregistré toute la journée? Bah, tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'étais au travail, et au travail ça fait moyen moins de bosser avec une caméra. Voilà, tout simplement, surtout que j'ai été fort occupé. Alors, on va un petit peu sortir, je vais aller vous montrer ce que ça dit actuellement. Ça va être bien. Donc regardez un petit peu, hein. Donc le bateau, le gros bateau sur lequel on était tout à l'heure, enfin qui était devant nous tout à l'heure, il est là, il y a deux bateaux qui sont venus charger et qui sont partis. Et là, le bateau, il est déjà un peu plus haut que tout à l'heure, hein. Donc vous avez remarqué, on a enlevé toute la marchandise et du coup je vais aller un peu vous montrer ce que ça donne. Faire attention à la caméra parce que si je la lâche, adios. Donc ouais, vous étonnez pas du bordel, j'ai rincé le bateau. C'est pour ça que c'est un peu avec le Tokiwoki, très important. On va aller voir ce que ça donne. Hop là. Regardez. Ah, c'est cool, hein.
Donc tout ça, ça a été vidé en une bonne journée et on n'aura malheureusement pas fini aujourd'hui parce que, ben voilà, on n'aura pas terminé, ça me fait un peu trop chier à ce niveau-là. Mais malheureusement, c'est ça, les aléas du métier, c'est qu'on peut pas toujours avoir la pleine vitesse. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais voilà, ça peut pas toujours fonctionner correctement. Et alors, chose, petite particularité, parce que ce matin, vous avez vu, on s'est mis à bord d'un autre bateau. En fait, aujourd'hui, c'était limite le bordel. Donc là où on se trouve actuellement, donc on est à quai, bah là où on était justement, il y avait l'autre bateau, donc on était à bord de l'autre bateau. Puis quand l'autre bateau est parti, on s'est remis là derrière, et puis après il y a un autre bateau qui est venu, on s'est remis à bord de l'autre bateau, et on a même fini à bord du bateau et ce bateau là. C'était le bordel, je vous mettrai une photo pour illustrer, mais voilà, c'était vraiment le bordel. Et donc du coup, ben, j'espère vraiment que ce petit vlog vous plaira, hein, je me répète beaucoup, mais voilà. Donc ça va marquer la fin du premier jour de vlog. Je dirais qu'on se retrouve environ 3-4 jours plus tard du temps que je vous ai laissé. Et alors on est sur le Rhin, comme vous pouvez le constater, qui est la plus grande autoroute ou bateau route d'Europe, on va dire. Et alors là, on s'apprête à charger des pièces de construction, voilà, en destination de Zeebruges. Et alors, résultat des courses, vous avez vu le petit timelapse de la navigation juste avant, bah, je vais essayer de refaire pareil avec les pièces de construction. Je vais poser ma caméra quelque part et je vais essayer de voir si ça fonctionne. Comme ça, bah, vous n'en raterez pas une miette. Au fait, j'ai oublié de préciser qu'on se trouve environ à 20-25 km de Neuss. Je vous mettrai une carte. Et le résultat des courses, là, l'objectif, ça va être de descendre le Rhin et d'arriver en Hollande, enfin au bout de la Hollande, au bout du Rhin, en une journée. Donc il y a beaucoup de kilomètres à faire, il y a environ plus de 300 km à faire. Donc attendez, nickel, il y a un point kilométrique, je vais vous expliquer. Donc en fait sur le Rhin, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle des points kilométriques. Donc ça veut dire qu'on peut essayer de se retrouver et de savoir où on est exactement grâce à ces points kilométriques là. Quand on passe une patente du Rhin, parce que pour naviguer sur le Rhin, il faut une espèce de permis supplémentaire, eh bien vous pouvez les passer en fonction de certains points kilométriques. Vous n'avez qu'à dire entre telle zone ou telle zone. Le résultat des courses, ici on a le panneau 723, on va dire que c'est comme ça. Et alors il faut savoir que la fin du, donc le bout du Rhin, enfin c'est pas vraiment le bout du Rhin, mais là où généralement on arrive dans vraiment la partie Zélande, la partie lac, peut-être pas comme ça, voilà, la partie lac, c'est au kilomètre 1000. Donc 1000, c'est l'écluse de Volkerak. Donc je vais essayer quand même de filmer ce voyage, de faire un timelapse. Faut encore que je vois, j'en ai fait un pour venir, mais faut que je vois si j'aurai assez de batterie pour le retour, parce que je suis pas sûr qu'elle tiendra toute la journée. Là, elle a tenu 2 heures, donc en calculant bien, en rechargeant mes batteries entre temps, il y a moyen, mais on verra bien. Donc on va essayer de faire ça en une journée, ça va être la course, on est vraiment la course, et pour l'instant on n'a toujours pas commencé à charger.
voilà, on a presque terminé de charger le bateau. Il n'y a plus qu'à charger le devant. Alors, à partir de maintenant, la caméra, je vais la laisser ici dans mon logement. Et je vais essayer de vous filmer après des petits plans de temps en temps. Mais ce sera au téléphone. Parce que, à force de bouger le bateau et de faire des manœuvres, j'ai failli perdre la caméra deux ou trois fois. Donc, je vais arrêter de prendre des risques pour le moment. Et je vous filmerai des plans ce soir quand j'aurai fini de travailler. Et quand le bateau naviguera encore, j'essaierai de faire des petits trucs un peu sympas. Donc, cela étant dit, je vous dis à tout à l'heure. Ça marche. Et vu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de courant. Ouais, je filme avec mon téléphone. C'est que vu qu'il y a beaucoup de courant, ce qui se passe, c'est qu'en fait le bateau est rabattu de l'autre côté. D'où le fait qu'on doit vraiment faire beaucoup d'arrière et changer la manière de manœuvrer. Donc on va débarquer le pilote en fait, l'autostager, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et après, bon, on démarre. Voilà. Et alors l'idée, c'est de mettre bien collé le cul en fait. Sauf que là, on est un peu mal barré. C'est pas facile. Ok. Alors ça y est les amis, nous ne sommes plus officiellement, nous ne sommes plus de toute façon officiellement sur le Rhin, tout simplement parce qu'on vient de passer en Hollande. Et quand on passe en Hollande, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, le Rhin change de nom. Donc maintenant on est sur le Waal, parce que voilà, c'est fuck la logique. Et il faut savoir que, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur le Rhin il faut avoir un permis pour naviguer, mais en Hollande ils s'en battent les couilles, on peut naviguer ici comme partout en fait. Donc voilà. Donc ce serait bien qu'il la fasse un jour sauter cette patente. Bon, maintenant on va prendre ma douche. Et puis on va aller passer la soirée dans le poste de pilotage. Parce que à mon idée on va naviguer très très tard ce soir. Mais vraiment très très tard. Donc bah voilà, journée terminée les amis. Donc finalement on se sera, on n'aura pas fait la nuit et on se sera amarré vers 9h30. Là il est 9h30 ici à Eisendoorn en Hollande.
où, bah, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de bateaux autour de moi. Donc moi je suis à bord du bateau le plus à gauche, ou pour vous c'est le plus à droite, gauche, droite, ouais, pour vous le plus à droite. Et donc bah, je vais faire un petit tour à terre histoire de me dégourdir un peu les jambes. Et puis vous faire de chouettes plans. Regardez ça un petit peu. On est vendredi soir. Regardez tous les bateaux qui sont amarrés. Et ça va encore arriver, hein, normalement, parce que faut vous dire que dans le milieu de la batellerie, surtout sur le Rhin, être amarré à 9h30, c'est très tôt. C'est très très tôt. Généralement, un batelier sur le Rhin, ça marre entre 9h, enfin non, même pas, entre 10h30 et 23h30. Ou alors, il y en a qui continuent tout simplement jusqu'au bout. Donc, ce genre d'endroit était vraiment aménagé pour les bateliers. Et alors, il y a toutes les instructions, hein, en flamand, évidemment. Mais ça fait toujours plaisir de se balader un petit peu comme ça à terre et de profiter. Tout simplement, c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est juste génial. Donc vous avez pu voir le timelapse, hein, juste avant. Donc je vais essayer quand même de vous faire un petit schéma, une petite carte pour que vous compreniez mieux. Avec donc le bateau de mon patron là-bas au bout. Le Tampico. Alors ça m'emmerde, il y a des herbes aussi hautes. Je vais pas pouvoir aller tout près. Et regardez ce qui passe encore là-bas. Donc bah, je vais vous laisser pour ce soir, hein, de toute façon j'ai quand même plus rien d'autre à vous raconter. Donc pour vous faire juste le petit débrief pour ceux qui n'auraient pas bien suivi en fonction des images que je mettrai, bah, tout simplement on est parti au matin, on a chargé des pièces de construction de 8h à 10h à 11h et une fois que tout ça a été chargé, bah, on est reparti directement en sachant qu'on a fait aujourd'hui à peu près de l'Allemagne jusqu'en Lande, à un bon 200 km. On n'est pas loin du 200 km en une journée en faisant une moyenne de 20 km/h. Donc pour un bateau, c'est quand même bien. Donc faut en profiter. Et demain, lever à 5h du mat. Ouais, j'adore ma vie de matelot. Donc lever à 5h du mat demain matin. Direction Zeebruges, mais on n'y arrivera pas demain. Alors l'objectif serait d'y arriver justement demain soir, mais on n'y arrivera pas. Donc du coup on y arrivera mardi dans la journée plus ou moins. Donc normalement dimanche ça navigue pas parce que c'est férié du coup. Mais ça aurait pu s'il faut payer un truc etc. Mais encore une fois ça ne nous intéresse pas. Et lundi on ne sait pas naviguer pour raison personnelle. Donc voilà. Je tiens aussi à vous préciser que cette vidéo est faite chez un batelier qui a une vie privée, donc j'ai pas toujours envie de vous publier tout ça. J'ai pas envie de leur de publier leur vie partout sur internet. C'est quand même un domaine privé, donc tout ce qui est privé etc, je vous montrerai pas. Ce sera juste autour de la navigation et du travail à bord. Et quand je vous parle de personnes qui s'amarrent, regardez qui arrive encore là-bas. Oh, les seins de mouchette, je sais pas si vous le voyez, ça c'est horrible aussi en Hollande, il y en a partout. Il y a partout des mouchettes. C'est même pas des mouchettes, je sais pas ce que c'est. Avec le bateau qui arrive là-bas. C'est nice, c'est nice. Donc, il y a encore du monde qui va arriver ce soir. Franchement, ça va être cool. Alors, je sais pas si le micro est assez fort pour que vous l'entendiez. Là-bas, le petit point blanc qui bouge, c'est un bateau qui rentre. Et si pendant que je parlais, vous avez entendu un... Bah en fait, c'est lui qui accélérait ou qui faisait de l'arrière. Donc, le son est répercuté dans l'eau, touche la cloison ici, et ça s'entend dans la cale. Alors, des fois, vous êtes tranquillement en train de regarder un film à l'intérieur ou un... Puis vous entendez ce bruit là et vous vous dites, alors soit il y a un bateau qui passe, soit il y a un bateau qui s'amarre, soit il y a un bateau qui manœuvre, et en fait à chaque fois bah, je vais voir la fenêtre parce que c'est rigolo. Des fois je vois rien et des fois je vois des bateaux bah, comme celui là-bas au bout qui arrive. Et alors aussi la particularité que je vous ai pas expliqué avec cet endroit, donc c'est vraiment un endroit spécialement pour les bateaux passer la nuit ou même passer des journées. Mais alors il y a un poste en Lande qui gère ça et on appelle le poste. Le poste va lui dire, ok d'accord, vous pouvez y aller, il y a encore de la place. Et alors, nous, il faut absolument qu'on donne notre heure de départ. Donc par exemple, ben, je vais prendre le cas actuel. On a dit
Ouh, mais non, sur les gars, on a dit on part à 5 heures du matin. Donc en fait, résultat des courses, la dame, en fait, elle a noté un petit peu près sur son clavier tous les bateaux qui partent à telle heure ou telle heure ou telle heure. Et donc en fonction de l'heure à laquelle on part, c'est réglé pour pas déranger les autres bateaux. Donc style, nous on part à 5 heures, donc ça veut dire que le bateau qui est à côté de nous, auquel on a amarré, lui partira peut-être plus tard. Je sais pas moi, 5h30, 6h, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe généralement. Et donc c'est ça qui est quand même bien foutu en Hollande. Bon, des fois il y a des couacs, hein. Des fois c'est mal, le batelier a mal prévenu et puis il vient toquer à 4h du matin alors qu'il avait dit qu'il partait à 6h. Dans ces cas-là, ça se passe pas toujours très bien parce que ça peut mal tourner. Un exemple tout con, c'est déjà arrivé qu'un batelier lâche les cordes de quelqu'un et se barre. Donc il voulait pas partir. Et bah, le batelier est là, celui qui est à bord à lui est là, et ce batelier là doit partir et l'autre ne veut pas. Donc résultat des courses, ce bateau-là lâche ses cordes et lâche les cordes du voisin. Il écarte le bateau et il se barre. Et donc bah, l'autre bateau, il est tout seul, sans personne à la gouverne et sans cordes. Autant dire que ça a déjà gueulé, hein, c'est déjà allé très très loin. Mais bon, bah encore une fois, c'est un métier à la dure. Et quand c'est à la dure, c'est à la dure. Cela étant dit, les amis, bonne nuit. Moi, je me lève tôt demain. Et bien voilà les amis, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai malheureusement pas pu tourner d'autres images de ce voyage étant donné que j'ai énormément travaillé. Donc je vous laisse sur ce timelapse du déchargement à Zeebruges comme convenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao tout le monde! Je ne suis qu'un bon à rien, un vrai loser. Et d'un mot qui sonne, je ne suis plus dans le coup. Une flèche au cœur, je fais plus partie du show. Tirer le rideau, éteigner les lumières. Qu'est-ce que je peux faire, coincé sur ma chaise. Déchaînez-moi, on va s'envoler. D'un ange déchu, puis quelque part une dernière porte, laissez-moi passer. Encore un de ces jours sans lumière, quel enfer. Mais j'y suis presque là. On va s'envoler. C'est pas le pire, les gens n'ont rien à faire. Pourquoi devoir plaire?